C'est une véritable leçon de football que Manchester City a infligée au Bayern Munich qui était privé de son attaquant Choupo-Moting. Dans le cadre du match aller des quarts de finale de l'UEFA Champions League, Manchester City a dominé le Bayern Munich sur le score sans appel de 3-0. Sans leur buteur Eric Maxim Choupo-Moting, les Bavarois n'ont quasiment pas existé sur la pelouse de l'Etihad Stadium ce soir. D'abord grâce à une démonstration offensive des hommes de Pep Guardiola, mais surtout grâce à une fébrilité défensive des hommes de Thomas Tuchel. Bienvenue sur ma chaîne Pronosfoot où nous parlons de l'actualité sur le football camerounais. N'oubliez pas de bien vouloir vous abonner, et activer la cloche de notification. Avant de continuer, nous allons faire un petit jeu pour reconnaître les vrais fans de l'équipe camerounaise. Qui peut me dire le nom du joueur gribouillé sur l'image? Bayern Munich, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le Bayern Munich a grandement compromis ses chances de qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Battu 3-0 par Manchester City, le Bayern Munich a peiné à exister dans le match. Son attaque Sané, Gnabry, Coman, Musiala n'a jamais véritablement pu mettre en déroute les Citizens. Même l'entrée de Sadio Mané en seconde période n'a rien changé. Seul véritable neuf de l'équipe Choupo-Moting est capable d'apporter ce point de fixation pour ses coéquipiers et surtout, de marquer des buts. Son absence sur le terrain, a été préjudiciable pour le champion d'Allemagne. Blessé à un genou, le Camerounais a dû déclarer forfait pour ce déplacement. Pourtant, Tuchel disait ne pas s'inquiéter pour ce coup dur. Voici ses propos. Il n'y a rien de mal à ce que Serge Gnabry joue sur le 9. Il est bon en dribble, à la vitesse. Il n'a pas la présence physique de Choupo, ça nous manquera demain. Choupo sera également absent des standards défensifs demain. Sadio peut aussi jouer sur le 9, et Müller aussi, bien sûr, a analysé le technicien allemand en conférence de presse d'avant-match. Pourtant, l'absence de Choupo est loin d'être une excellente nouvelle si l'on s'en tient aux statistiques. L'ancien Parisien est le meilleur buteur du club cette saison avec 17 buts toutes compétitions confondues et 4 buts en Ligue des Champions. Le Camerounais a d'ailleurs ouvert le score lors du 8e de finale retour face au PSG il y a quelques semaines. Après cette leçon que Manchester City a donnée au Bayern, pensez-vous que la présence de Choupo-Moting aurait pu changer grand-chose au résultat des matchs? Veuillez bien laisser vos avis en commentaire. Pour plus d'informations sur le football camerounais, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour être prévenu de nos prochaines vidéos.